allez-vous? Ça va, j'espère que vous allez bien. Donc, soyez les bienvenus dans mon vidéo concernant les cours de la deuxième année, cette fois-ci avec la lettre D. Donc, on va reconnaître la lettre D aujourd'hui. On va reconnaître, lire, identifier, lire avec des syllabes, puis écrire la lettre D. Donc, suivez avec moi. Premièrement, on va entourer toutes les lettres D. Donc, on va lire les lettres et on va entourer la lettre D. B, D. Donc, on va entourer la lettre D. P, Q, D. Oui, la lettre D. D, oui. Q, non. D, oui, la lettre D en majuscule. D. Oui. B, non. D, oui. D, oui. P, non. Et D, oui. Donc, on va lire les images. Vous lisez avec moi, s'il vous plaît. Une radio. Un domino. Un dos. Une malade. Je répète. Une radio, un domino, un dos, une malade. Deuxièmement, on va lire les syllabes, les mots et les phrases. Donc, vous lisez avec moi, mes camarades. D, D, do, do, da, da, de, deux. Très bien. Le dos, une dame, midi, une maladie, madame. Très bien. Donc, on va lire cette fois-ci les phrases. Il y a un domino près de 15 ans. Près, c'est-à-dire à côté de. Il y a un domino près de 15 ans. Très bien. Kenza donne le domino à Amine. Kenza donne le domino à Amine. Très bien. Donc maintenant, on va écrire la lettre D. Donc suivez avec moi, mes chers, pour écrire la lettre D. Donc, on va écrire la lettre D. Si simple. Il faut remonter deux lignes vers le haut. Vous pouvez suivre avec moi dans vos cahiers, mes camarades, pour écrire la lettre D. On fait une petite ligne ici et on remonte vers le haut. Deux lignes. Donc, c'est simple, c'est la lettre D. Maintenant, on va écrire la syllabe DA. DA. Très bien. DA. DA. Très bien. Donc, une dame. On va écrire le mot une dame. Une dame. Très bien. Un malade. On va recopier le mot un malade deux fois. Très bien. Un malade. Très bien. Et cette fois-ci, on va recopier la phrase Amine a un domino i domino. Très bien. Donc, maintenant, on va écrire les nombres de 61 à 65. 61.
Je change le stylo. Très bien. 61, 62, 63, 64, 65. On va le recopier une autre fois. 61, 62, 63, 60. 4 et 65. Très bien. Et allons-y pour voir et découvrir la lettre U. Donc, pour cette vidéo, je fais le mélange ou bien de deux lettres, la lettre D et la lettre U. Donc, on va lire les lettres tout d'abord, puis on va entourer toutes les lettres U. Donc, vous lisez avec moi, s'il vous plaît. U, on va l'entourer. Donc, je change le stylo pour qu'il puisse être bien détectable pour vous. N, non. U, oui. Donc, U. Très bien. U. M, non. C, non. E, non. U, oui. U, oui. N, non. U, oui. U, oui. R, non. U, oui. Très bien. Donc, on va lire maintenant les images. Une mule. La lettre U, mes camarades, se prononce U. Vous répétez avec moi, s'il vous plaît. U, la lettre U. Très bien. Une dune. Une dune. Un mur. Un mur. Une laitue. Une laitue. Très bien. Donc, vous lisez avec moi les syllabes, s'il vous plaît. Et les mots et finalement, les phrases. M plus A, ma. M plus I, mi. M plus O, mo. M plus E, me. M plus U, mu. Très bien. Donc maintenant, on va lire les syllabes. Ba, bi, bo. Be, bu. La, li, lo, le, lu. Na, ni, no, ne, nu. Da, di, do, de. Du. Très bien. Donc maintenant on va lire les phrases. Il est midi. Je ne vois plus la lune. Il est midi. Je ne vois plus la lune. Très bien. La mule est sur la dune. La mule, voici la mule, est sur la dune. Voici la dune. Très bien. Donc, on passe à l'écriture maintenant. On va recopier la lettre U. Suivez avec moi pour écrire la lettre U. C'est simple, c'est très facile d'écrire la lettre U. Vous respectez seulement les dimensions de la lettre. Très bien. Mu, bu. Donc, vous savez comment écrire la lettre bu. Bien, le syllabe, la syllabe bu, lu, très bien, lu, très bien, nu, et finalement, du, très bien. Donc, maintenant, pour les mots, la lune, c'est facile et c'est amusant d'écrire la dune. C'est simple, mes chers. Vous suivez seulement
les dimensions, vous respectez les dimensions de chaque lettre pour que vous puissiez écrire d'une façon adorable. Donc, maintenant, on va lire les chiffres et écrire donc sur nos manuels 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39. Donc, regardez avec moi, il y a une faute dans le manuel. Normalement, on va écrire 38 ici, non 39. 38, 39 et 40. Donc, on va l'écrire. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et finalement 40. Donc voilà, mes chers, on a puisque fini les deux lettres qu'on a reconnaître ou bien reconnaît aujourd'hui, la lettre D et la lettre U. J'espère que vous puissiez ou que vous pouvez suivre avec moi l'enchaînement de ce cours, la détection de la lettre, l'écriture aussi. Donc, je vous dis à bientôt dans un autre cours, un autre leçon et un autre vidéo. À bientôt, mes chers.